Salut tout le monde, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Watch Dogs 2. J'espère que vous allez bien, bande de Galaxiens et Galaxiennes, aujourd'hui pour le nouveau DLC sans concession sorti hier le 19 avril 2017. On va pouvoir le faire tous ensemble aujourd'hui. On va commencer par l'opération DedSec Gambit de Moscou. C'est la seule et l'unique opération supplémentaire avec ce DLC. Il y a également 6 courses solo contre la montre qui ont été rajoutées et également 3 tenues thématiques, à savoir actuellement, vous la voyez, la première tenue, c'est celle du policier et franchement, elle est tellement classe. Marcus, t'es beau, mais oui, t'inquiète. Avec la belle petite sacoche, le petit béret, bim, la petite tenue, le pantalon, les chaussures, tout va bien. Également, il y a la tenue de pompier et d'infirmier. Alors, je vous les montrerai, je pense, plus tard dans une seconde vidéo, peut-être, où je vous montrerai les autres courses, etc. En tout cas, il y aura du contenu à faire avec ce nouveau DLC. Et également, la mise à jour qui date de quelques jours. Également, il y a eu l'ajout avec ce DLC de 2 armes non létales, à savoir le fusil à air comprimé et le fusil de sniper incapacitant que je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Et bien, écoutez, on va directement partir. J'ai failli me faire écraser. On va directement partir vers la nouvelle opération DedSec. Regardez, nous rentrons dans l'app DedSec, ça fait longtemps, et c'est le Gambit de Moscou. Retrouver Citara au prêteur sur gage. Bah écoutez, on y va, on va suivre la mission. Let's go, on est en tout cas très chaud patate. Nous sommes arrivés au prêteur sur gage. Salut Citara. Hello. Hey, t'as un chien? Non. Je suis un vilain petit hacker qui rêve que la NSA pénètre tous ses ports. Citoyens du monde, êtes-vous prêts pour DedSec? Putain, je pensais pas que t'aimais ce genre de trucs. T'inquiète, il est cool. Là, le problème, c'est une question d'image. Si quelqu'un cherche à nous baiser, je préférerais qu'il le fasse par devant. Le réalisateur est une vraie merde qui croit faire du cinéma d'auteur, et c'est un vrai harceleur. Si on l'humilie dans une vidéo, on aura plus de followers. Eh ben, tu l'aimes pas du tout, hein? Il a fait du mal à une copine à moi dans le milieu, elle est tombée dans la drogue. Du coup, j'ai flingué ses comptes, et puis j'ai aussi balancé un cocktail Molotov sur sa Cadillac de 1972. T'aurais dû l'avoir cramé. Un point pour Citara. Il a un tournage pas loin d'ici, à BDSM Mania. Faut que ce soit spectaculaire, Marcus. Eh hey, mais... c'est un dépôt-vente pour acteurs porno, ici. Oh là là, ça annonce du lourd, cette mission! Aïe aïe aïe, c'est dans le milieu du porno, je sens que vous allez tous kiffer. Bon, je dis pas que vous êtes tous des pervers, attention, mais... un petit peu. On est un peu tous comme ça. Bon, alors humilié Alejandro Jakovski, hacker le bureau d'Alejandro. C'est parti. Alejandro, Alejandro. Alors, je vais cibler du coup le truc. Je sais pas si j'ai une cible directement. Ah, mais c'est juste à côté. Ah, ok, donc j'ai pas besoin de rouler très très loin. Allez, let's go. On dirait une Golf, ça. Alors, j'avance un petit peu direct, je sonne l'alarme, quoi. Comment va ton ami, au fait? T'as réussi à l'aider? J'ai passé des nuits entières à m'occuper d'elle. Mais on a réussi, putain. C'était l'enfer et on l'a fait. Elle est clean maintenant. Par contre, le problème avec les junkies, c'est qu'à la moindre occasion, ils replongent direct. Alors elle est pas complètement guérie? Si, en partie. Elle fait des progrès, mais... il l'a vraiment foutu en l'air. Je suis sûr qu'humilier ce connard l'aiderait à aller mieux. C'est comme si c'était fait. Ok, donc je pense que c'est plutôt par l'arrière, à mon avis, hein. Ouais. Eh ben c'est parti. On va du coup effectivement le prendre par ici. J'étais pas sûr, hein, vraiment. Je connais pas. Ah oui, bah l'entrée est là. Forcément. Est-ce que c'est interdit? Non, non, c'est open bar. Ok, impeccable. Il y a des escaliers. Ah oui. Allez, je vais monter par ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, hein. Par contre, du coup, j'espère que on pourra se réhabituer assez facilement. Donc. Je vais arrêter la musique, par contre, peut-être non. Ouais, je vais arrêter la musique, les amis, juste pour la mission. Histoire que ce soit un petit peu sérieux, hein. Parce que quand même, on est en mission, faut pas déconner. Alors, le pare-feu, où es-tu? Tu te trouves... par là, d'accord, attendez, on remonte. Ouais, donc ça, ça va sentir le seau. Allez, est-ce que je peux y aller avec Marcus? Oui, c'est beau. Ok, là, regardez, c'est comme une sorte d'escalier. Voilà, on peut monter dessus. Putain, mais je suis nul. Voilà, je suis très nul. Donc attends, tu me disais qu'il était où le truc? Remontre-moi. Ok, on passe par là-bas et c'est du coup de l'autre côté. Ok, bon, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Tu passes par ici, je bam, tu contournes et tu arrives au terminal. Voilà, j'ai pas encore perdu les bonnes habitudes sur le jeu. Ça va, je m'en souviens encore comment on joue à ce Watch Dogs 2. Ça fait plaisir. Et j'ai hâte vraiment qu'il y ait un Watch Dogs 3. Parce que franchement,
Ce deuxième opus était excellent, tout comme le premier, hein. Franchement j'avais aimé le premier aussi. Hein. Bizarrement c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pas aimé. Moi le premier Watch Dogs, franchement j'ai de bons souvenirs. Alors tout en étant très différent de sa suite, vraiment le premier dans son style, un peu plus sérieux et tout, un peu plus dark, franchement moi j'aimais beaucoup. Hein. Je ne sais pas vous. Allez, on y va, et limite j'aurais envie de le refaire en HD, en meilleure qualité tu vois. Allez, ouvre la porte. Ok, je peux monter directos, très logiquement, yes. Ah d'accord, mais en gros c'est de l'escalade. Cette mission, c'est une mission d'escalade quoi. Ok, c'est par là-bas. Il y a une fiesta ? On dirait que l'équipe fait une petite fête sur le toit. Notre gars est peut-être dans les parages. Je pense pas. En dehors des tournages, il évite toute forme d'interaction sociale. S'il y a un tournage en cours à l'intérieur, c'est là que tu le trouveras. C'est un vrai contrôle fric. Il tourne le film sur Dead Sec. Bonjour madame. Ou bonsoir plutôt. Donc, alors attends, il faut que je rentre ici peut-être. Ouais, je pense qu'il faut que je descende. Apparemment, c'est à l'étage inférieur. Ça a l'air très sexy ici. Hein. Attention. Ok. En place pour le tour de magie. Allez, c'est parti pour le piratage, les cocos. Ça va être Dead Sex. Par contre, je sais pas comment j'ai fait pour passer inaperçu avec cette tenue de pompier. Mais ils vont me dire, c'est un bal déguisé. Bah oui, ça passe. Bon, je dois trouver des sales trucs sur... Alejandro Jakovski. C'est ça. Et après, on lui donnera la fessée. Littéralement. Et on filmera tout, ça me servira pour mon film. T'es sûr que tu veux pas t'en occuper ? À mon avis, elle lui exploserait la tronche en mode vénère. C'est sûr, ce serait drôle, hein. Mais ce serait pas bon pour notre image. Il a pas tort. Ok. Alors ça veut dire que je vais devoir l'isoler. S'il est en plein tournage, il me faut un moyen de l'attirer. Là, j'ai un plan. Je t'écoute. Il va falloir quelques accessoires, un peu de courage et une bonne trique. Mec, c'est quoi ton plan, là ? Eh, des fois, le taureau se présente dans le mauvais sens. Alors, si tu pouvais éviter de le prendre par les cornes... Stop, ouais, juste non. J'adore, c'est énorme. Ok, alors on va passer de caméra en caméra. Déjà, il y a une clé à récupérer ici. Alors, voyons voir. On a également des trucs qui sont bloqués par là. C'est cool parce qu'on n'est pas loin de l'objectif de la clé qui est juste là. Il est en train de se déplacer. Donc on va essayer de trouver une bonne caméra pour pouvoir le cibler. Ok. Il est toujours pas bon. Faut voir si je peux le pirater de là. C'est mieux, oui. Impeccable. Là, ça me donne la clé d'accès. Allez, le sexbot. Dévoile-moi tous tes secrets. Waouh. Alors attends. Là, par contre, regardez, je suis dans un truc. Le sexbot. C'est énorme. Le sexbot. Non mais les gars, sérieusement, vous êtes sérieux de faire une mission comme ça? Alors attends, on va pouvoir s'infiltrer du coup, tranquille. Et là je passe inaperçu, parce que j'ai ma place. Oh, le flamant rose. Par contre tu m'expliqueras pourquoi l'autre il avait un lapin crétin. Tu vois, il y avait des slips et tout, mais là il y avait aussi un lapin crétin. Je ne comprends pas. Ah ok, je peux pirater ce truc. Ben voilà, impeccable. Donc ça c'est l'épreuve sûrement. Ah non, ou le portable. C'est peut-être le portable. Ah non, c'est l'épreuve. Citara, grâce à mon robot extraterrestre au sexe tentaculaire, j'ai pu accéder à la compta de BDSM. Les bras de Val lui ont versé un bon paquet de fric et il est mêlé à des trucs pas clairs. J'ai transféré l'argent sur un de nos comptes fictifs. Je te laisse choisir une ONG pour lui reverser. Génial, je sais déjà à qui ça va aller. Tu dirais merci à ton robot extraterrestre au sexe tentaculaire. Je l'ai appelé Dick. Évidemment. C'est quoi la suite ? Maintenant que l'argent a disparu, je vais m'en servir pour attirer Jakovski loin du plateau. Ça va fesser sévère. C'est un bon titre de film porno, ça. On devrait lancer un crowdfunding. J'en suis. On gagne quoi quand on participe ? Et chaque chose en son temps, les gars. Ouais, ouais, doucement. Ah, c'est génial, ça, franchement. Alors, par contre, je peux pas aller, je pense, au prochain objectif. On va voir juste, par curiosité, jusqu'où on peut aller. Ouais, je peux descendre ici, ok. Oh, un fond vert. Oh, la classe, je veux le même. Vas-y, je ferai des lives en fond vert et tout, ce serait génial. Attends, là par contre... Oh oui. Oh oui, c'est beau. Ah oui. Salut. De Dieu. Acteur porno. Non mais là franchement, il tourne un film dans l'espace porno. Non mais what the fuck. Attends, je prends une photo. Je n'importe quoi. Ok, du coup, j'en étais où moi? Faut que je passe de caméra en caméra. On va essayer de switcher. Attendez, je cherche une caméra s'il vous plaît.
Non, il n'y a pas de terminal avec le robot. Par contre... Ah, il est là le terminal, attendez. Voilà. Ok, donc là j'ai activé un circuit de caméra. Donc là par exemple, je prends la caméra. Je vais pouvoir me déplacer. Ah d'accord, regardez, on peut se déplacer, c'est énorme. Ok. Je suis toujours dans cette vue là. Yeah, c'est classe. Oh. Yeah, baby. GG. Ok, bon. On va arrêter les conneries. Hein. Ah, et donc voilà. Boum. Ça c'est bien. Du coup, ce qui fait qu'on va débloquer ceci là-bas. Attends, j'essaie de faire les deux côtés. Donc là, on a l'autre. Le terminal, il est là. Hop, c'est activé. Apparemment, on peut l'activer directement comme ça. C'est trop easy. Attends, je récupère la caméra de l'autre côté. Et apparemment, il y a l'autre que j'ai pas débloqué là-haut. Attendez. Voilà. Bon, bah, normalement, tout y est là. Tu passes de caméra en caméra pour pouvoir, au bout d'un moment... Voilà, pouvoir pirater le truc. Génial. Ton régisseur file des tuyaux bidons à dead sec. Si nous on tombe, toi t'exploses. Si nous on tombe, toi t'exploses. Tu payes le double et peut-être qu'on t'aidera à régler ce bordel. Voilà. Ok. Alors attention, maintenant il va falloir atteindre. Je prends des caméras du haut. Ah non, c'était en dessous. Je suis allé trop vite. C'était... Ah non, c'est là. Attendre le retour d'aller rendre droit à son bureau. Ah donc là je suis à son bureau hein. Ouais, donc là faut que j'attende. Je pense. Ok. Impeccable. Par contre je vais me mettre sur une caméra peut-être statique. Hop là. Voilà. Donc là je pense qu'il faut que j'attende. On va devoir humilier Alejandro Jakovski. C'est trop bien en tout cas. Ok. Hop. On le pirate. Voilà. Bon, je vais espérer que la mission n'est pas aussi simple. Hé, hey, maestro! C'est l'heure de votre gros plan. Vous êtes qui, vous? Ah merde! C'est Dead Sec, c'est ça? Hé, oh, oh. Hey, tu sais qu'on raconte que t'es du genre sadique? Alors je me demandais si t'étais prêt à encaisser ce que tu fais subir. Allez, c'est l'heure de rejoindre Dead Sec. C'est pour l'initiation, quoi. Ouais, je pense qu'il devrait nous rejoindre. Bon, écoute, maestro. Je m'occupe de ce film maintenant. Et là, je veux que tu dises « J'adore Dead Sec » à chaque fois que tu sens un petit « là derrière, d'accord ? Il a tout compris ? Allez, on filme direct. Pas de répétition. Ah, j'adore Dead Sec ! Ah, il connaît sa réplique. Quel acteur de génie. J'adore ça. Wow, excellent. Quel talent. T'es un putain d'acteur, toi. Tu vas pas devenir professionnel. Vas-y, faut qu'il paye. J'adore ça. Et une bouchée pour maman. J'adore ça. Ok, ok, c'est bon. Je pense que ça devrait amplement suffire. Ah ouais, ouais, c'est génial. C'est génial. Ok, j'avoue, c'était énorme, ça. Oh putain, quelle première partie de mission incroyable. Ok. J'adore l'univers, en tout cas. Bien choisi. Bon, ça c'est fait. La première mission, première partie en tout cas de la mission, est terminée. On va voir ce qui nous attend par la suite. Vous avez maté ça? Ouais, et on l'a senti aussi. Ouh. On a épluché les fichiers de Jakovski. Il fait des affaires avec des gens pas très fréquentables. Ça va prendre du temps de tous les lister. Et sinon, notre vidéo est presque finie. On n'attend plus que toi. Hé, hey, je me demande un truc. Vous pensez qu'il fait du porno à cause de son nom? Jakovski, Jakov, ça veut dire branlette quand même. Non, c'est un pseudo. C'est pour mieux vendre. Ah ouais, et son vrai nom, c'est Jakovski. Très drôle. Très très drôle. Ah, il est drôle celui-ci. Bon, alors, du coup, célébrer l'humiliation. On va retourner, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, on retourne directement au. Au. Comment c'est déjà? Au Hackerspace. Voilà, je me rappelais plus du nom. En tout cas, génial. Hein. Allez, curieux de voir la suite. Parce qu'évidemment, la mission n'est pas terminée, hein. Ce serait trop simple sinon. Ah bah oui. Bah, sinon, moi, je gueulerais, hein. Si c'était aussi court, franchement.
Voilà, allons-y. Alors moi je m'étais payé le Season Pass hein, sur la PS4, donc de toute manière, bon, c'est pas trop grave. Voilà, je l'ai payé en un seul coup, donc ça me fait pas mal de repayer un DLC. Parce que je le repaye pas, je l'ai payé en un coup. Voilà, donc il y a aucun souci. Allez, c'est parti, allons-y. On va dire psychologiquement, quand tu payes en un coup, c'est moins chiant que quand tu dois à chaque fois repasser à la caisse, quoi. Donc, une bouteille. Super début de mission, c'était une bonne idée, ça. Rassemblement. Je crois qu'il va avoir besoin d'un de ces trucs gonflables. Tu sais, pour les gens qui peuvent pas trop s'appuyer sur la cuvette des chiottes. Hé, les gens, arrêtez tout et venez jeter un œil. Réflexe. Hey. Santé. Santé, les gars. Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Ceci est un message à tous ceux qui voudraient s'opposer à DeadSec. Vous vous attaquez à l'un d'entre nous, vous nous attaquez tous. Regardons ce qui est arrivé au tristement célèbre réalisateur porno Alejandro Tchaïkovski, après avoir récemment essayé de s'en prendre à l'un de nos membres. Nous avons voulu qu'Alejandro ressente ce que ses acteurs sont forcés à faire. Quand vous êtes un enfoiré de sadique comme lui, c'est important de savoir subir autant qu'on l'inflige. Notre message est simple, faut pas chercher d'être sec. Nous vous avons révélé la vérité, faites-en ce que vous voulez. Ok. Hé, petit. Dis, t'aurais pas du feu. Oh, désolé, mon pote. Yes, mais tiens, fourgon. Hé, je peux avoir mes 10 dollars ? Mais what the fuck, on s'est fait complètement sortir du coffre de la voiture. Ok. Caméra. Va falloir qu'on ouvre le coffre du coup. Ah merde, je dois l'arrêter sinon je suis mort. Attends, frérot. Mais attends. Attends, je suis pas prêt là. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Attends, frérot, je suis pas prêt du tout là. Mets-le de côté. Non. De ce côté, non plus. Attends, mais comment je fais pour voir ailleurs moi? Je vois pas là-bas. Comment je fais? Attends. Mais juste, faut virer ce machin. Attends, caméra. Ah d'accord. Putain les gars, je pense qu'on est mort là, vu le retard que j'ai pris. Ça va être dur, moi je vous le dis. Ok. Ok. Balance-le de ce côté. Ouais. Balance-le là. Il me faut de ce côté aussi. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je pense qu'on va le bon. Oui. Voilà, vite repasse aux autres caméras. Et c'est bon. Oh là là, attention là, c'est très dangereux. Les gars, les bras de femme m'ont enlevé et ils m'ont collé dans un broyeur de bagnole aussi. Bien dit qu'il y a un truc qui allait pas. Peut-être qu'ils se vengent pour BDSM Mania. Mais c'est quoi leur intérêt? On va continuer à éplucher les fichiers d'Alejandro. On finira bien par trouver quelque chose. Ah, et Rench a fait un trou dans le mur avec son poing. C'est bon, ça va. J'en suis pas fier. C'est la première fois que quelqu'un fait un trou dans un mur pour moi. Merci, Rench. Ouais, y a pas de quoi, mon pote.
Ok, ok, on se l'arrête celui-là, corps à corps. Attention aux autres. Alors par contre, du coup, je disais, là il y a un truc, mais du coup j'ai plus de matos, hein, je crois. Hein. Je crois que j'ai plus de matos. Et non, donc je risque pas de passer par là. C'est cuit-cuit. Là c'est fermé, on va y aller en douceur. On peut faire péter ce truc, mais je vois pas l'intérêt. Oh putain, les clebs, c'est pas possible. Et pourtant, il faut que je récupère. Ah, attendez, comment je vais pouvoir faire là? Parce que du coup, je peux pas passer par là. Là, je peux pas hacker non plus ce bordel. La clé d'accès. Ah d'accord, faut trouver la clé d'accès. Mais où est-elle? Attendez, il y a un chien qui va me voir là. Il y a un chien qui risque de me rôder si je fais pas gaffe. Du coup, est-ce que je peux passer par là? Oh, c'est trop haut, tu penses bien? Tu penses bien que ça aurait pas pu être aussi simple? Non, lui, il est gentil, attention. Ok, il y a un mec qui l'a vu. Attendez. Je vais aller plus loin. Pirater. Ah ok, excusez-moi, j'avais pas vu. Autant pour moi, je vais pirater ce truc-là, là-bas. Vas-y, bouge, je prends la caméra. Voilà. Ah putain de merde. Ouais, c'est bon. Impeccable. Il y avait lui qui brouillait. Du coup, attention, maintenant, là, ils sont... Ils vont être vigilants. Là, c'est chaud parce que si je me fais repérer, on est mort. Hein. Je vous le dis. Ouah ! C'est tendu. Saleté de chien, bordel. Attention, il est là-bas, je l'ai vu aussi. Je vais devoir les arrêter un par un, les gars. Ouais, ouais, je vais devoir les arrêter. Attention, discretos. Discretos. Il a disparu. Salut, tais-toi. Planque-toi, bordel, planque-toi. J'ai pas été repéré, les gars, j'ai pas été repéré, les gars. Par contre, j'ai pas d'armes, c'est pas vraiment une de mes situations préférées, ça. J'aime pas trop être désarmé, si tu vois ce que je veux dire. Putain de chien. Au pire, ouais, je prends un pistolet, hein. Putain de chien. Vas-y, viens par ici, mon gros, vas-y. Déplace-toi. Salut. Voilà. Tranquille. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est ouvert. Tais-toi. J'espère qu'il a pas alerté. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Je prends le matos. Ah cool, mon matos. A plus les gars, je me casse. Salut. Bye bye, à la prochaine. Par contre, faut vite partir. Hein. Eh ouais, je suis au top. Entendu. Oh merde. Y a des méchants ici, mais de toute façon, ils me repèrent pas. Hein. Je suis pas dans une zone rouge. Y a pas de sushis. Allez, on sort de la zone. On quitte cette décharge. Je crois que c'est bon. Tu trouves quelque chose? Ouais. Alejandro Jakovski. Un sacré pervers. Apparemment, Jakovski se sert d'immigrants russes illégaux dans certains de ses films. Un passeport en échange d'une performance. Y a toutes les preuves. Bah voyons, évidemment. Et tout ça grâce au Bratva. Oh. Très bien, comme ça, ça nous fait une raison de plus pour nous venger. Da. Bon, ça marche. Je vous rejoins pour qu'on en parle. Oui. Hé, hey, Range. Marcus! Je sais comment leur faire mal. On brûle tout ce qu'ils ont. Ok, c'est une possibilité. Non, 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 c'est la seule possibilité. Rapide et implacable. Je m'occupe de tout. N'essaie pas de me voler la vedette, Marcus. C'est à mon tour de briller. Ok, ok, on va faire à ta façon. T'as besoin de quoi? Parfait. Bon, Sidara a réussi à relier un boss des Bratva à la vente de plusieurs maisons. Ok, alors, tu veux vraiment tout faire cramer? Range style, mon pote. Ok. Bon bah, c'est parti. Trop bien. Oh yeah, trop bien. Ça va tout cramer. Ok, deuxième partie de mission accomplie. Et j'ai toujours la fameuse petite clé que j'ai pas récupérée ici. C'est n'importe quoi, vraiment. Allez, du coup, rejoindre Range au Hackerspace. Eh ben, ça tombe bien, j'y suis, mon coco. Je vais aller tout préparer. Mon brave Marcus... Voudrais-tu bien t'occuper d'une situation compliquée pendant que je gère le feu d'artifice? Quel genre de situation? Il y a du mouvement chez les Bratva. On les surveille, mais on a besoin de quelqu'un qui sache... résoudre les problèmes sur le terrain. Je suis en route.
Allons-y. Alors, je suppose qu'il faut que je sorte de ce hackerspace, retrouver l'éclaireur de DeadSec. Ah oui, effectivement. Effectivement. Alors ouais, je vous montrerai les amis les autres costumes. Et on fera quelques missions solo, quelques courses. Et évidemment, je vous montrerai également les deux nouvelles armes, je pense, dans une prochaine vidéo qu'on se fera sur ce DLC. Histoire de vous présenter vraiment l'intégralité. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la mission. La nouvelle mission principale qui est dispo. Et qui, pour l'instant, franchement, est vraiment cool. Les gars, ils nous attaquent sur tous les fronts. C'est vraiment la merde. Un autre membre de DeadSec a failli se faire kidnapper et j'apprends à l'instant qu'ils ont fait sauter le QG d'un de nos followers. Je vais sortir pour voir ce qui se passe. Et quelqu'un lance des attaques des DOS contre nos serveurs. Ça vient de tous les côtés. J'essaie de créer une fausse adresse IP pour les rediriger vers le grand firewall de Chine. Bien vu, ce firewall-là, il a du répondant. Je vais voir ce que je peux faire pour aider le gamin. Je suis pas un gamin. Cette fois, c'est la guerre. On va devoir frapper fort. Range, je te rejoins dès que j'ai fini. Ouais, c'est la guerre. Allez, alors on doit se diriger là-bas. Par contre, y a pas de route. Tu te fous de moi? Attends. Vas-y, je passe par là. Pardon, excusez ma conduite. Ah oui, mais je vois où c'est. On avait déjà fait une mission ici, je crois. Ok, on va se garer. Attention, code de la route. Regarde. Hop là. D'accord, laisse tomber. Le stationnement, c'est pas mon truc. Ah oui, c'est proche de la zone rouge. Effectivement, on était déjà venu ici. Eh, franchement, je l'adore en tenue de policier. C'est vraiment... C'est vraiment stylé, quoi. Allez, donc il est ici. Salut, mon coco. Faut que je monte ou pas? Ou c'est bon? Je crois qu'il faut que je monte. Voilà, je suis avec toi. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a pas mal de voitures dans le coin, couvertes de tags DeadSec. Merde! Ils se font passer pour nous. Je vais y aller et voir ce que je peux saboter. Autre chose? De la drogue et des armes, comme d'hab. Suffisamment pour que j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Alors ils ont aussi du matos. Parfait. Les Bradva vont piger que quand on s'en prend à DeadSec, on le paie très cher. Ça me plaît bien, ça. Ouh oui. Ok, donc. Marcus, t'as un plan? Ouais. Faire chier les Bradva et les empêcher de se faire passer pour nous. Et détruire les voitures et la drogue. Ok, des voitures et de la drogue. Des voitures et de la drogue. Ça sent bon tout ça les amis. Alors écoutez, on va y aller en bagnole, hein. Je vais pas passer par la flotte, hein. Faut quand même pas déconner. Je suis pas comme ça, mais en tout cas le jeu est très beau, hein. Je me rappelais même pas que le jeu était aussi joli, franchement. Tu vois, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que... Waouh. Le jeu est beau, honnêtement, y a rien à dire. Il est très classe, et faut pas que j'oublie qu'on peut utiliser la nitro du coup, avec les voitures, avec une simple pression sur la touche X. Allez, par contre, on va prendre par le côté, on va leur foutre la pression. Bien sûr, on va arriver dans une zone rouge. Alors ce qu'on va faire, directement, détruire les faux véhicules de DeadSec. Détruire les chargements de drogue. Ok, allez, vous savez quoi? On va y aller en bourrin, on va se faire un petit plaisir. On a le fusil Goodbye World. C'est le moment d'y aller et de se faire plaisir. On va détruire les deux véhicules et les chargements de drogue. Let's go. Alors, on va commencer... On y va en douceur ou pas? Non, on y va à fond. On veut se faire plaisir, les gars. Tranquille. Salut, mon gars. Tranquille, vas-y. Toi, c'est pour toi. Attention! Ils vont me tirer dessus, ils vont appeler du renfort, on s'en bat les couilles! Mais on veut s'exciter, on veut s'enjailler! Oui, monsieur, renfort appelé, c'est très bien. Vous en aurez besoin de renfort. Salut! Oh, ce que je lui ai mis! Super, attention! Vas-y, je prends de la hauteur un petit peu, mon gars. Attention! Y'a personne là-haut? Non. Ouh! 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 Je suis presque mort. C'était Tandax, hein. Je vous le cache pas. Voilà. Je l'ai eu celui-ci. Je peux récupérer la clé. Merci. J'ai eu la clé d'accès. Attention, vite, je me planque parce que là, il y en a un qui est là-bas. On va faire un petit peu le tour. J'adore l'action de Watch Dogs 2. Alors, autant je disais que les gunfights, voilà, c'était peut-être pas l'élément, je vais dire, principal de ce Watch Dogs 2. Mais ça fonctionne quand même. Génial. Attention, derrière, il y a les flics. Salut, grenade, attention. Oh putain, il y a du monde derrière, attendez. Derrière, vas-y, casse-toi, Marcus. C'est bon, Marcus, t'inquiète. T'es toujours à la limite, mais ça va.
En vrai, il y en arrive vraiment tout le temps. Ok. Il y en arrive vraiment tout le temps, donc c'est pas la peine. Je pense qu'on va devoir détruire tout ce qu'on a ici. Attendez, bougez pas. J'ai des grenades. Wow, attends. Deux secondes. Frérot, j'ai quoi? Zapper, engin explosif, ok. Et bah du coup, cette mission n'est pas faisable. Vous avez la réponse, hein. Cette mission n'est pas faisable, du coup, les amis, en action. Voilà, on est obligé de la faire de la manière... De Dieu. On est obligé de la faire comme ceci, c'est-à-dire en essayant de d'y aller mollo, hein, au final. Donc ça, faut le détruire, du coup. Attends, laisse-moi réfléchir. Voilà, ça c'est fait. Je vais m'écarter un petit poil, hein, tu permets. Non, attends. Voilà, cible-moi le truc, nickel. Voilà, oh pardon monsieur, je me suis un peu trop rapproché. Donc, ça c'est fait, et d'un... Ouh, double shot. Yeah, GG. Attention parce que ça va se rapprocher là. On va passer au second, à la suite. Oh putain, ce mode bourrinage de l'extrême quoi, c'est énorme. Tranquille, attends. Tranquille frérot. Ah, j'ai plus de mun. Ah merde, je suis dans la merde les gars. J'ai plus de mun. Vas-y mon grand. Putain, me fait toujours tacler. Relou les mecs. Est-ce que vous allez me laisser faire? Donc là c'est bon. Ouais, 2 sur 2. Donc c'est bon pour les chargements de drogue. C'est bon, lui je l'ai eu, je l'ai plombé. Allez, la suite. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud patate. Allez, à toi mon pote. Attention, ça va péter. Hasta la vista baby. Et il me reste du coup plus qu'un petit véhicule. Normalement. Voilà, impeccable. Et boum. Allez, on s'enjaille les gars. Parce que c'est chaud patate. Allez, une petite voiture. Ciao, bye bye. Wouhou. C'était génial. Par contre, j'aurais fait quelques cuts, hein, parce que ça a été n'importe quoi, un bordel sans nom. Et pour info, j'ai tenté de tuer tout le monde, mais on ne peut pas tuer tout le monde, il y en a toujours qui arrivent en fait. Donc, faut faire péter les véhicules, etc. Même s'il y a des gens qui arrivent, quoi. Échapper à vos poursuivants. Oh merde. Alors, j'ai qu'une étoile, donc normalement, j'aurais pu y... Ah non, mais c'est pas les flics, c'est le gang, je crois. Je crois que c'est le gang. Ok, bon, en tout cas, on est bien parti. Hein. Ah ouais, regardez tout le monde derrière. Oh, il y a au moins 3-4 bagnoles qui me suivent. Mais non. S'il vous plaît, quoi. Non, mais s'il te plaît, quoi. Bah, t'as qu'à me pousser, hein, je dirais rien, hein, frérot. C'est ce qu'il fait en plus, ce con. Arrête de pousser sur le côté. Merde, putain. Du coup, ils me foncent tous dessus, bordel. Allez, bon, on va sortir de cette foutue autoroute. Voilà. On sort de là. Est-ce qu'ils vont me suivre? Comment ils vont me suivre? Tiens, changement de véhicule, on prend le quad. Changement de tonalité, les gars. Hop là. Est-ce que vous allez me suivre? Là, je ne suis pas sûr. Wouhou. En quad, dans une petite rue. Je pense que logiquement, ils ne suivent pas. Tranquille, tranquille, on va se caler ici, attendez. On va se caler ici, tranquillou. Et voilà, disparition. C'est parfait, mission accomplie. Merci de montage, hein. j'ai pu cutter comme il faut. Aïe, 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 je te jure. Allez, nouvelle mission accomplie, du coup. Ça, c'était génial, en tout cas. Alors, article obtenu. Fausse 500, nouveau véhicule ajouté à la carte. Ok, de nouveaux véhicules. Bon, on a mis fin à l'opération des Bratva, et on a détruit une bonne partie de leurs marchandises. Ils vont avoir du mal à s'en remettre. J'ai piraté les caméras de circulation du City OS pour repérer notre poseur de bombes. C'est bien un Bratva. J'ai transmis l'info aux flics, ainsi que son casier. J'espère qu'ils vont donner une leçon à nos amis russes. J'ai aussi diffusé l'info sur les forums d'EdSec pour que tout le monde reste sur ses gardes. Pendant ce temps-là, les hackers des Bratva sont en train de plomber leur propre réseau en s'en prenant aux Chinois. Observez le va-et-vient des attaques à quelque chose d'étrangement apaisant. Au fait, une bonne équipe, hein, gamin. En fait, tu me rappelles un certain Raymond Kenny quand il était jeune. Enfin, sans la barbe. Et le côté cool. Je suis pas un gamin. Tu peux m'apprendre à être cool? Mais oui, je vais t'apprendre. Oh, fais chier. Ils ont tous réussi leur coup, sauf moi. Mais je vais leur mettre plein la vue. Marcus, je vais avoir besoin de toi. Retrouve-moi, Marine.
Alors, à Marine, où est-ce que c'est exactement? Dis-moi tout. Oula, c'est un tout petit peu loin. On va se téléporter directement, je pense, ici. On va se téléporter au Hackerspace. Allez hop, allons-y, trajet rapide jusqu'au Hackerspace. Je vous reprends après. Allez, on reprend pour la suite de la mission. Je suis en quad, il est magnifique. Et je viens de me téléporter juste avant au Hackerspace pour me rapprocher de la mission. Nous y sommes arrivés du coup à la villa. Allez, on va pirater ce boîtier CityOS. J'adore la sacoche, en tout cas, police de San Francisco, elle est tellement classe. Aïe, 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 c'est beau. Et là, maintenant, c'est le grand final, dernière partie de mission, du coup. Intrusion détectée. Salut, Wrench. Ton futur mec. Non, on se calme. Hey, Wrench, je te vois. Marcus, t'as la chance de pouvoir observer un expert en démolition dans son milieu naturel. Putain, ça va être énorme. Ce que j'aime chez les mafieux, c'est qu'ils ont toujours ce qui se fait de mieux pour concocter les explosifs. Mais j'ai quand même ajouté une petite pincée de poudre spéciale pour signer ma création. C'est un honneur de voir le maître à l'œuvre. On est chez qui, au fait? À mon avis, les Bradva utilisent ces plantes pour loger les gros bonnets de mafia russe quand ils viennent surveiller affaire. Il y a de l'équipement de malade là-dedans. Mais il n'y a personne. Et je vais avoir besoin de toi pour que ça reste comme ça. Les membres de DeadSec sont en train de poser tout un tas de pétards très marrants dans les autres maisons du quartier qui appartiennent aux Bradva. Par contre, il va falloir que toi, tu t'occupes de la diversion. C'est mon truc, les diversions. Je m'en occupe. J'aime les diversions. Ok. Je vais vraiment faire ça, moi. Oh, j'arrive pas à le croire. Allez, c'est parti. Alors par contre, obtenir un véhicule, j'ai juste un petit souci. C'est le nombre d'étoiles de flics, entre guillemets, qui me fait un peu peur. Ok, c'est quoi ce délire? Rejoignez le territoire de la Bradva dans le temps imparti. D'accord. Ça va être chaud quand même, là. Wrench, ils ont mordu à l'hameçon. Parfait. Plus ils essaient de se tuer, plus ça me laisse de temps pour casser leur chouchou. Content de pouvoir t'aider, mec. Oh, les Bradva me poursuivent. Génial. Ok, on passe dans les anneaux. J'ai une voiture que j'aime bien en plus. Je la maîtrise plutôt bien. Wow, on pète tout là. Énorme. Sors de là, vas-y. T'inquiète, pousse-toi. Oh, c'est génial, on est recherché de partout. Oula, je suis coincé. Vas-y, j'ai juste monté les poteaux. Waouh, moi je les bloque un petit peu. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, la question c'est, est-ce que nous sommes dans les temps? Est-ce qu'il y a ça aussi? Sorry! Ma voiture est en train de se faire exploser! Je vous envoie la position de l'intrus. Cette tête de cul a disparu! Ah, trop bien! Au pire, on changera de voiture, c'est pas grave! Oh, mais qui c'est qui a mis ces trucs? Je crois que c'est moi! Yes! Ça, j'ai rien, mais c'est un peu loin. T'arrêtes pas, Marcus. J'ai presque fini. Mais y en a qui sont encore en train de bosser sur les maisons. Tu peux continuer à les occuper? Ok, mais fais vite. En général, la diversion, ça finit par se faire buter. Ça marche, t'inquiète. J'avoue que là, ça commence à être tendu quand même, hein. Au bout d'un moment. Wow. J'adore la musique. Bam, bada, 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 bada. C'est bien rock comme il faut. Je me suis retourné. Ah merde! Putain de véhicule! Ah! Allez me tirer dessus! Ma voiture va finir morte, quoi! C'est hallucinant! Marcus, on est prêt ici. Mais j'ai un dernier service à te demander. En écoutant les messages enregistrés dans le manoir des Bradva,
J'ai entendu parler d'un bateau. Apparemment, la cale serait pleine à craquer de toutes sortes de narcotiques. Je pense à mon âme la vie qu'on devrait le piller. Ça va pas leur plaire. Brunt, Brunt. Non, on devrait plutôt couler le bateau. Ah d'accord, allez, voler quoi le bateau, ça c'est bon tuer ça. Les poissons. Ça craint quand même. Marcus, tu prends le bateau et tu pars avec. On va le laisser à la police. Cadeau de dette sec. Je le vois pas. Comme ça, ils nous lâcheront un peu la grappe pour se concentrer sur les Bradva. Ça me va. Envoie-moi les coordonnées. Je me charge de l'amener à nos copains. On se voit là-bas. Par contre, ce qui est un peu emmerdant, c'est que tout le monde est au courant que je suis là, quoi. Planquez-vous. Ah, j'ai plus de mule! Ah merde, excusez-moi les gars, j'avais plus de mule, j'avais oublié! Ok, donc, j'avais carrément oublié que j'avais plus de mule. Ah, c'est la mort assurée ça! Ah ouais, les boules! J'en ai plus du tout, bah si, j'en ai récupéré 12 apparemment. Ah, mais apparemment, d'un coup, tout est tranquille, ça veut dire qu'on n'est plus alerté, mais what the fuck? Ok, donc en gros, on se fait pas voir et y a pas de soucis quoi. Bon allez, vite, on va longer. Là, je peux te dire que je longe les murs. Hein. Je peux te dire que je me fais pas voir, Coco. Là, tout est mis en œuvre pour pas me montrer. Attends, est-ce que je peux passer carrément par ici? Essayer de contourner carrément par la gauche. Je pense qu'on peut monter par là. Attends, tranquille, fais-toi appeler, Coco. T'excite pas. Voilà, comme ça, je peux m'occuper de toi. Salut! Hop! Je m'occupe de toi, joli cœur. Maintenant, faut qu'on passe là-dedans. Est-ce que je peux passer de l'autre côté, du coup? Parce que là, je vois que je peux pas. Si, j'aurais peut-être pu faire le tour, remarque. Bref. Alors, attends. Je passe par ici, au pire. Ce sera sûr et certain. Ah, ben non. Si, c'est ouvert. Et une porte. Impeccable. Allez, juste à voler le bateau. Easy. Tu peux monter? Attends. Salut. Je t'avais pas vu, toi. De Dieu, c'était pas loin de la correctionnelle, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, allons-y. Ah non, faut débloquer ça, merde. Ah d'accord, excusez-moi. Faut d'abord que je trouve ça, la clé. Ok, mon drone va peut-être m'aider pour ça. J'avais zappé du coup. Hein? Oh non, la clé est là, c'est pas vrai. Ouais, sauf que le brouilleur, il est tout le temps là. Ok. Attendez. Pirater pour activer. Waouh. Attendez, tranquille. Recharge de botnet. De quoi ? Voilà, j'ai la clé là. Allez, c'est bon, je l'ai. Enfin, on l'a eu. Suffisait donc du coup de hacker le brouilleur pour obtenir la clé, puis après c'est bon. Eh ben dis donc. Allez, salut les potos. C'est bon, j'ai le bateau. Allez, je vous l'amène. Parfait, on est en plein préparatif. Ah, et ben voilà, une bien belle mission. Fallait se faire tout petit. Fallait pas que je fasse comme le reste au final. Prêt ? Je t'ai tellement grillé. Alors. Waouh. La classe. Regardez ça, c'est beau, hein. La petite tête. Et les deux mains. Et donc voilà, mission accomplie les amis, je pense que c'est réellement terminé maintenant.
Et c'était au final vraiment une bonne mission, voilà, assez variée. Il y avait du gunfight, il y avait un petit peu de hacking, il y avait effectivement une petite séquence d'infiltration. Franchement, c'était bien, vraiment. On a obtenu le trophée, d'accord. Ça a vite dégénéré. Ok. Et au calme, je suis plus en zone rouge, Coco. Ok. Voilà, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Bon, eh bien écoutez, amis, on s'arrête là du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, moi, je me suis éclaté. C'était génial. Et cette tenue de policier est vraiment très classe, hein, franchement. Allez, écoutez, on s'arrête là pour cette vidéo. Merci à tous encore une fois. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr, comme d'habitude. On se retrouve très, très, très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. Pour voir un petit peu les autres trucs qu'on a obtenus dans ce DLC. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde.